Good evening, ladies and gentlemen. Parlez-vous français? Well, I beg your pardon, but my English is not good too. L'étape suivante est encore plus étonnante. Alors, il s'était passé presque un siècle, et c'est le mathématicien Friedrich Bessel, il est bien connu pour les étudiants des classes préparatoires pour avoir fait les fonctions de Bessel qui ont fait souffrir plus d'un étudiant. Mais là, il s'intéressait au ciel, et il s'intéressait aux déplacements et à la mécanique céleste. Donc, il reprend le travail de Edmond Halley, et il retravaille un petit peu sur les différentes données qu'on avait sur Sirius. Et là, à sa grande surprise, il s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on pensait avoir comme trajet, c'est-à-dire un trajet rectiligne de l'étoile, eh bien l'étoile fait un trajet sinueux. Alors ici, il est représenté des différentes positions depuis 1850 jusqu'à 1920, donc bien postérieur à Bessel. Bessel n'avait qu'une très petite partie de cette trajectoire, mais comme c'était un très bon mathématicien, il s'en est tiré, et pour non seulement prédire que ce mouvement était sans aucun doute périodique, avec une période de l'ordre de 50 ans, mais il a pu aussi prédire que ce mouvement de Sirius A, Sirius l'étoile brillante, était induit par un autre corps qui était proche de Sirius et dont il a pu calculer la masse. Et à sa grande surprise, cette masse est équivalente à celle du Soleil. Et donc là, effectivement, se faisait jour la première grande énigme de Sirius, c'est-à-dire qu'il y avait un Soleil invisible proche de l'étoile que l'on voyait. Et ce soleil, on ne pouvait pas le voir. En fait, pour l'époque, c'était déjà un peu un trou noir, c'est-à-dire les premières évidences d'une matière noire, une matière qui existe mais qu'on ne peut pas voir. Alors, il a fallu pas mal de culot à Bessel pour affirmer ça, parce qu'il le faisait simplement sur la base de calculs, et que personne n'imaginait qu'une étoile pouvait exister sans briller et sans rayonner. Alors, il écrit, je ne sais pas si c'est sa vraie formule, mais il a écrit une lettre à Humboldt, et je crois que la conclusion de sa lettre est cette formule que je trouve assez belle, qui dit que l'absence d'évidence n'est pas l'évidence de l'absence. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Et il a affirmé ça haut et fort devant toutes ses collègues astronomes. Mais pendant longtemps, personne ne l'a cru. Il a fallu quand même attendre une vingtaine d'années. Et là, heureusement, le progrès des observations astronomiques était en pleine expansion. En 1862, un opticien américain qui s'appelait Alvan Clark, dont la famille avait été déjà une très, très longue lignée d'opticiens, construisait la première grande lunette véritable de dimension qui nous paraissent ridicules, évidemment. Elle faisait 50 cm, mais qui à l'époque était le plus grand instrument au monde. Et il la met dans son jardin un jour du 31 janvier 1862, et pour s'exercer, pour savoir si elle marchait bien, eh bien, il pointe l'étoile la plus brillante, il pointe Sirius. Alors, évidemment, nous n'avons pas le dessin, ni même aucun document qui montre sa découverte, puisqu'il ne faisait pas de photographie, il observait à l'œil nu. Mais il découvre, effectivement, une toute petite étoile à côté de Sirius. Alors, le premier cliché photographique que nous ayons eu de cette étoile n'a été obtenu qu'en 1970. C'est vous dire que la difficulté qu'il y a à découvrir autour d'une étoile brillante une petite étoile comme Sirius B. Et donc, c'est ce cliché qui est là. On voit, il a été obtenu avec une lunette un peu plus grosse que celle d'Alvan Clark, et sur lequel on avait mis un dispositif très très ingénieux qui s'arrangeait pour disperser la lumière de Sirius selon ses aigrettes bien orientées, de telle sorte à laisser cette région-là la plus noire possible. Et c'est ce point-là qui représente l'étoile Sirius B, le compagnon de Sirius, alors que ces points-là sont des artefacts, des réflexions de l'étoile Sirius elle-même, et ne sont pas à considérer. Donc voilà à peu près le spectacle qu'on avait. C'était quand même pas très très spectaculaire pour une étoile qui était quand même, rappelons-le, de la masse du Soleil. Alors à l'époque, pour autant, les astronomes se sont convaincus d'une chose, c'est que une étoile pouvait ne pas rayonner beaucoup de lumière, même en ayant la masse du Soleil, à condition que sa température soit très faible. Et ça c'est exact, puisque une étoile rayonne autant de lumière que sa température, d'autant que sa température est élevée ou que sa surface est grande. Dans le cas présent, effectivement, on pouvait supposer que la température de l'étoile autour de Sirius était très très faible, et c'est pour ça qu'elle rayonnait très peu, en l'occurrence 10 000 fois
moins que l'étoile brillante Sirius A. Alors, on s'était contenté de ça et il a fallu attendre encore un demi-siècle pour qu'on ait des mesures plus précises et qu'on ait mesuré la température de cette petite étoile. Ça n'a été fait qu'au moment où on a mis en place cette fois-ci les grands télescopes, donc au Mont Wilson au-dessus de Los Angeles, où se sont constitués un réseau de grands télescopes, les plus grands du monde. Là, cette fois-ci, on ne parle plus de lunettes, on parle de télescopes dont les miroirs, dans le cas présent, faisaient 1,5 mètre de diamètre. Et en 1914, c'est Walter Adams qui observe l'étoile Sirius B pour en déterminer la température. Et à sa grande surprise, alors qu'on pensait qu'effectivement cette température grossièrement ne devait pas être supérieure à peu près 1000 degrés, je vous rappelle que le Soleil, c'est 6000 degrés à peu près, la température superficielle, et bien lui, il mesure une température de 8000 degrés. Et alors, il est encore loin du compte parce que la mesure plus moderne est de 30000 degrés pour l'étoile. Donc là, la conclusion auquel on s'attendait, c'est-à-dire d'avoir une étoile à peu près comme le Soleil, simplement plus froide, est totalement erronée. On est obligé d'arriver à une conclusion totalement opposée. Parce que si l'étoile, effectivement, émet si peu de lumière en étant tellement chaude, la seule possibilité, c'est que sa surface soit très très petite. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous le rappelle, la luminosité, c'est la combinaison de la température et de la surface qui émet la lumière. Et si la surface est toute petite, évidemment, la luminosité est diminuée d'autant. Mais dans le cas présent, comme l'étoile est très faible, la surface à laquelle on arrive est ridiculement petite. L'étoile, en quelque sorte, qui a la masse d'un soleil, donc totalement la masse classique d'une étoile, il faut la réduire à la taille d'une planète. C'est les conclusions de l'époque que Eddington, le grand astrophysicien anglais, qui avait travaillé sur toute la structure des étoiles, à laquelle il est obligé d'arriver. L'étoile Sirius B, si elle a cette luminosité, si elle a cette température, doit être de la taille d'une planète. Et en conséquence, bien évidemment, comme elle a la masse du Soleil, sa densité est extravagante. Sa densité atteint effectivement, Eddington le calcule assez rapidement, une quantité de 1 million de grammes par centimètre cube, c'est-à-dire une tonne. C'est-à-dire que vous prenez un tout petit morceau de sucre de cette matière et ça fait une tonne. Un litre ferait donc effectivement 1000 tonnes, donc presque la poids de la tour Eiffel ou un objet aussi gigantesque que ça. Et c'est ça la matière qui est contenue dans cette étoile autour de Sirius B. Alors Eddington, effectivement, je crois que c'est lui, on ne le sait pas très bien de façon très exacte, mais qui dénommera ces objets naines blanches. Naines, bien sûr, parce qu'elles sont toutes petites, blanches parce qu'elles ont une température extrêmement élevée. Donc le concept est né, mais personne ne comprend qu'est-ce que c'est que ces objets-là. Comment sont-ils formés? Comment existent-ils? Comment surtout résistent-ils à l'attraction et à l'effondrement auxquels ils sont normalement condamnés, puisque la gravitation, avec une telle densité, a une force terrible qui devrait comprimer l'étoile encore plus loin. Alors, au passage, Eddington fait une remarque qui a rendu l'étoile encore plus célèbre. C'est que lui qui a travaillé pendant longtemps sur les preuves de la relativité d'Einstein, notamment par le test des déviations des rayons lumineux en 1919 autour du Soleil, il est très au courant d'un troisième test. Il y en a donc celui du péril et de Mercure, celui de la déviation des rayons lumineux, et un troisième test était proposé par Einstein pour tester sa théorie. C'était le test du décalage par le rouge, décalage vers le rouge par la gravitation. Et ce test était très simple. Il prévoit qu'effectivement, la lumière dans la théorie d'Einstein, sentant la gravitation, quand elle s'échappe d'un corps très dense, elle est en quelque sorte retenue par un champ de gravitation intense. L'effet est présent partout, présent aussi dans le Soleil, mais le Soleil étant beaucoup moins dense, la force avec laquelle que sent la lumière est beaucoup moins élevée. Et donc, en fait, ce décalage vers le rouge est très faible. Il avait été essayé d'être mesuré pour le Soleil, on n'y a jamais arrivé parce que c'était trop faible. En l'occurrence, comme ce fameux facteur de décalage vers le rouge est donc proportionnel à la masse et inversement proportionnel au rayon, on comprend bien que quand le rayon devient très très petit, l'effet devient beaucoup plus mesurable. Et Eddington, sur la base de ce qu'il connaissait à l'époque, la température et de la dimension qu'on supposait pour l'étoile, à l'époque on la supposait de la taille approximativement d'Uranus, donc avec un rayon de l'ordre de 20 000 km, eh bien il prédit le décalage vers le rouge auquel on s'attend, qui est mesuré par les astronomes en kilomètres par seconde, parce qu'effectivement, la position d'une raie dans un spectre tel qu'on le voit ici, et son décalage peut s'exprimer par une vitesse. Et il prédit que ce décalage sera de 20 km par seconde. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'immédiatement, le même Walter Adams, qui avait effectivement découvert et mesuré la température du compagnon, se rue au télescope, à un télescope encore plus grand. Entre-temps, les télescopes ont fait des progrès. Cette fois-ci, on atteint 2,5 mètres de diamètre, et c'est pour ça qu'il va réussir la mesure.
Il mesure le décalage et il trouve 19 km par seconde, c'est-à-dire exactement ce que prédit Eddington. Et là, c'est tout à fait intéressant, parce qu'on a le cas typique du scientifique qui, connaissant la réponse, va la trouver dans ses observations alors qu'elle n'y est pas. Parce qu'il n'y a absolument aucune raison pour Walter Adams de trouver 20 km par seconde. Le vrai décalage réel, indépendamment de tout le reste de ce qu'il sait sur l'étoile, il devrait le voir, et il est mesuré actuellement, on le connaît, de 90 km par seconde. Et s'il pouvait mesurer 20, a fortiori, il pouvait mesurer 90 km par seconde. Donc, en fait, il semble qu'on ait ici, c'est très intéressant du point de vue de la sociologie des sciences, disons une fraude ou au moins une espèce de déviation d'un scientifique qui veut à tout prix trouver le résultat et qui le trouve alors qu'en fait, il n'est pas du tout exact. Et c'est assez grossier dans ce cas-là parce que la différence est énorme et il avait tout à fait le moyen de mesurer ça. Alors, c'est amusant parce que on avait déjà avec Eddington une vérification très très approximative, parce que vous imaginez bien que la déviation des rayons lumineux en 1919, ce n'était pas très très facile à mesurer. Et là, on a une preuve qui va rester jusqu'en 1970 de la relativité d'Einstein qui est totalement fausse et qui sera pourtant considérée comme la preuve. Alors, heureusement pour Einstein, effectivement, les mesures modernes ont trouvé 90 km par seconde et dans le même temps, on peut mesurer qu'effectivement, c'était correspondait à une taille beaucoup plus petite puisque la température était plus grande et l'étoile devait être donc plus petite. Et donc, en fait, la taille réelle de Sirius B, à l'heure actuelle, mesurée assez précisément, est de 5900 km. Donc, c'est tout à fait intéressant, ce petit péché d'originel d'Adam, comme ça, d'essayer de trouver un résultat alors qu'il n'y est pas. Alors, bon, je vais conclure cette espèce de présentation générale qui vous a donné quand même l'aperçu de ce que c'est cette étoile qu'on appelle le compagnon de Sirius. Par la suite, évidemment, on a retracé très précisément l'évolution de ce genre d'étoiles, on les a replacées dans la vie générale des étoiles. Donc, si on représente effectivement cette vie d'une étoile sous la forme de succession d'états comme ceci ici, qui se forme d'un nuage, donc est dans un état de formation dans un premier temps, puis ensuite s'installe dans une séquence qu'on appelle séquence principale, dans laquelle elle n'a plus tellement bougé, parce qu'en son cœur vont s'établir des réactions nucléaires qui vont produire l'énergie qui seront totalement stables. C'est l'hydrogène qui va brûler en hélium. Et puis, un petit peu vers la fin de sa vie, à ce moment-là, on a une phase un peu plus particulière. Cette fois-ci, l'hydrogène est épuisé au centre, donc on passe à une combustion de l'hélium. Et la combustion a également lieu en couche. Donc, l'énergie rayonnée dans l'extérieur de l'étoile est suffisante pour faire évaporer ces couches extérieures. Et l'étoile passe par une séquence dite de géante rouge pour finalement expulser définitivement ses couches extérieures. Et donc, elle apparaît très, très fugitivement, au sens de l'astronomie, évidemment, dans des échelles de temps courtes pour l'astronomie, comme ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire une étoile dont il reste le cœur, qui est entourée d'un anneau de lumière, qui est encore illuminé par cette étoile au centre. La transition entre, quand elle est très approximativement, bien sûr, tout dépend de la masse de l'étoile, entre le moment où elle quitte la séquence principale et le moment où elle est une nébuleuse planétaire, ça peut être 1 ou 2 milliards d'années. Mais ensuite, entre la nébuleuse planétaire et ce qui restera de l'étoile une fois qu'elle sera dépouillée de tout, c'est très rapide, c'est de l'ordre de 10 à 20 000 ans. Et ensuite, l'étoile qui reste au centre est cette fameuse naine blanche. C'est-à-dire que l'étoile dense, dont on ne savait pas à l'origine, effectivement, résulte de la combustion d'une étoile beaucoup plus grosse, et il reste le cœur de cette étoile. Comme l'étoile a brûlé à la fois son hydrogène en hélium, puis son hélium en carbone, elle est majoritairement, dans une grande partie tout au moins, formée de carbone. Et comme ce carbone est cristallisé, donc j'ai oublié de vous dire qu'en fait, l'explication physique de la structure de l'étoile est née du mariage de la mécanique quantique et de la relativité d'Einstein, parce qu'il a fallu effectivement la microphysique et la connaissance des interactions microphysiques de la mécanique quantique pour comprendre qu'une étoile, lorsqu'elle se condensait, les électrons qui la constituaient, la matière constituée de protons et d'électrons, résistent en quelque sorte à la compression parce qu'ils ne peuvent pas s'empiler indéfiniment sur les couches autour du noyau. Et par cette résistance à la compression, ils créent une résistance tellement forte que, quelle que soit la quantité de matière, tout au moins jusqu'à une certaine limite, ils vont stabiliser la structure de l'étoile. Et c'est une structure très, très dense, très, très, très cristalline. Et donc, cette matière est dite dégénérée, elle est totalement anormale par rapport à ce que nous connaissons de la matière ordinaire. Elle ne peut se créer que lorsque s'exerce sur l'étoile une très très forte pression, ou sur la matière une très forte pression. Mais le résultat de l'affaire, c'est qu'une naine blanche est avant tout
des noyaux de carbone serrés les uns contre les autres et effectivement qui finalement peuvent être constitués comme en cristaux, un réseau très, très, très figé. Et on peut aussi, d'une certaine façon un peu abusive, les appeler des diamants du ciel, parce que le diamant est aussi un réseau de carbone très cristallisé. Il y a énormément d'étoiles comme ça dans la galaxie. Elles sont relativement peu brillantes parce qu'évidemment très petites, mais à peu près une étoile sur 10, puisqu'on le sait, retracer la vie de toutes les étoiles de la galaxie, au moins 10% ont déjà terminé leur vie lumineuse. Donc une étoile sur 10, ça fait quand même beaucoup. Elles sont disséminées tout autour de nous, plus ou moins visibles. Alors, j'en termine là pour tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, qui est résumé ici, de Sirius A et de son compagnon Sirius B. Alors, c'est effectivement la plus proche naine blanche, puisque Sirius n'est pas la plus proche étoile, mais quand même l'étoile en sixième position. Il n'y a que cinq étoiles plus proches que Sirius, mais il n'y a aucune naine blanche, donc c'est la plus proche naine blanche du Soleil. Donc, on a mesuré qu'effectivement Sirius A était une étoile plus grosse que le Soleil, de à peu près deux fois la masse du Soleil, que son rayon était aussi bien évidemment plus important, à peu près 1 million de kilomètres et 150 000 kilomètres, et que sa magnitude est très élevée, évidemment, c'est l'étoile la plus brillante. En revanche, effectivement, de Sirius B, on sait à l'heure actuelle que c'est une étoile qui a, comme l'avait prédit Bessel, presque très exactement la masse du Soleil, mais que son rayon est extrêmement petit. Il est de l'ordre de quelques millièmes du rayon du Soleil, et ce qui fait effectivement très exactement 5880 km, donc c'est un astre plus petit que la Terre. Et sa magnitude visible est de 8. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, visuellement, on estime qu'on ne peut observer une étoile qu'à partir du moment où sa magnitude est de 6 au moins. Enfin, plus la magnitude est faible, plus l'objet est brillant. C'est donc en inverse. Donc, avec une magnitude de 8, elle est très largement invisible. Elle est à peu près presque 10 fois plus faible que les étoiles les plus faibles accessibles à l'œil nu. Alors, le travail de Bessel a été continué et on a pu reconstituer très exactement la trajectoire que fait Sirius B autour de Sirius A. Donc, c'est une trajectoire dans ce sens-là. Et si on place les positions tous les 5 ans, on voit que l'étoile progresse. Voilà, à peu près tous les 5 ans, la position de l'étoile. Entre les années 1885 et les années 2000. Évidemment, le mouvement se répète. Et de 1950, on passe à 2000 et on continue. Et donc, on voit tout de suite, d'ailleurs, qu'en l'occurrence, on est assez mal placé en ce moment, enfin, depuis les années 90 à peu près, et jusque, mettons, aux années 2005, parce que l'étoile est très proche de Sirius. Dans le futur, elle sera beaucoup plus loin et donc beaucoup plus facilement observable. Ça compte, et les découvertes les plus importantes ont été faites souvent quand le Sirius B était loin de Sirius A, parce que la contamination de la lumière de Sirius A était beaucoup moins importante. Alors, la période est mesurée assez précisément, pas totalement complètement précisément, parce qu'il faut bien réaliser que depuis sa découverte en 1862, et surtout depuis le moment où on a pu le mesurer attentivement, on a à peu près deux révolutions et pas plus. Donc, effectivement, il y a encore des progrès à faire sur la valeur exacte de cette période. Et l'étoile passe d'une distance au plus proche de Sirius A, qui est à peu près la distance équivalente à Saturne, et elle s'éloigne au plus loin, une distance équivalente à Neptune. Donc voilà le système que forme cette énorme étoile, plus grosse que le Soleil, et cette petite étoile, une étoile qui a quand même la masse d'un Soleil, mais qui n'a que la taille d'une petite planète plus petite que la Terre. Alors, là, je vous présente à peu près les images les plus récentes du système A et B, pour vous donner une idée de la difficulté qu'il y a de capter cette petite étoile. Alors, je vais commencer par ici, je vais commencer par là. Ça, c'est une image que j'ai obtenue au Chili, en janvier 2000, et pour l'obtenir, on a dû faire appel à une double technique. On a d'abord utilisé un coronographe, c'est-à-dire un petit disque qui était capable d'occulter la lumière provenant de Sirius A et de la diminuer notablement. Et puis on a utilisé, et c'est l'instrument qui s'appelle Adonis qui nous a permis de le faire, une technique un peu plus pointue, qui est l'optique adaptative, qui correspond en quelque sorte à modifier le front d'onde de la lumière qui arrive sur la plaque du télescope, de façon à corriger toutes les perturbations qui sont introduites par l'atmosphère. Une technique extrêmement utile, puisque finalement, si on, au moins en infrarouge, dans la lumière infrarouge, on arrive à supprimer à peu près toutes les perturbations de l'atmosphère, on se retrouve au sol avec un télescope qui est capable d'observer comme s'il était au-delà de l'atmosphère. C'est quand même absolument merveilleux pour les astronomes, puisque un grand effet néfaste de l'atmosphère, c'est de, en quelque sorte,
brouiller et répartir l'image piquée d'une étoile sur une tâche beaucoup plus étendue qui empêche la détection. Alors ici, on a l'image brute telle qu'on l'a obtenue, avec B, le petit point lumineux. Ici, on a fait un petit traitement qui a correspondu à soustraire le mieux qu'on a pu la lumière diffusée de Sirius. On voit un tout petit peu mieux l'objet. Ça, c'est donc dans l'infrarouge. Et alors ici, j'ai reporté l'image qui a été obtenue par le satellite de rayons X Chandra américain en octobre 1999. Et cette fois-ci, c'est une image en rayons X. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a visuellement la différence entre les deux étoiles qui est liée à leur température. En infrarouge, effectivement, on est sensible à l'étoile qui a la plus faible température, qui est Sirius A, qui a une température de l'ordre de 10 000 degrés. Et Sirius B, qui a une température de 30 000 degrés, paraît assez faible dans ce domaine de longueur d'onde. Et c'est exactement l'inverse qui se passe en rayons X. En rayons X, c'est l'étoile Sirius B qui est la plus brillante, alors que Sirius A est la plus faible. Ça, c'est lié à la façon dont la lumière d'une étoile, selon sa température, se répartit dans les différentes longueurs d'onde. Et c'est très spectaculaire dans ce cas-là, puisque dans le couple, le plus brillant devient le plus faible, et réciproquement. Alors, donc ça, ça peut vous laisser penser qu'on sait tout de Sirius. C'était d'ailleurs ce que je pensais, moi, quand j'ai commencé à travailler sur certains aspects de Sirius. Je me disais, l'étoile la plus brillante du ciel, forcément, on connaît tout, on a tout étudié, il n'y a plus la peine de rien faire. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je vous ai déjà cité l'exemple de la trajectoire, qu'on ne connaît pas très, très bien. Je vous citerai, je pense, un petit peu plus tard, un problème intéressant sur sa couleur. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout avéré que l'étoile ait toujours la même couleur. Et ce problème qui est en discussion est très intéressant du point de vue de l'évolution de l'étoile. Et il y a bien d'autres aspects de choses qu'on ne connaît pas de Sirius. Par exemple, on ne connaît pas le champ d'étoiles dans lequel il est pour l'instant, puisque l'étoile brillante, en fait, envahit tout le ciel quand on pointe un instrument. Et on est absolument incapable de voir les petites étoiles, du moins si on ne prend pas un certain nombre de précautions, si on ne fait pas un effort de les observer. Et donc, en fait, on est loin de tout savoir. Alors, ceci dit, voilà terminée la première partie qui vous aura un petit peu exposé le système particulier de Sirius A et de Sirius B. Donc, derrière cette étoile brillante, il y a quand même pas mal de choses très intéressantes pour l'astrophysique. Et je vais passer donc maintenant à l'aspect ethnographique, si je peux dire, de cet exposé. Alors, on va se demander pourquoi et comment Sirius est intervenu en ethnologie. Alors, effectivement, on peut se le poser de la question. D'ailleurs, sa première irruption de sujet était assez discrète, d'une certaine façon. Il s'agissait d'un article publié purement dans une revue d'ethnographie qui s'appelle le Journal de la Société des Africanistes et qui a été publié en 1950 par deux ethnologues français, Marcel Griol et Germaine Dieterlin. Alors, cet article était simplement dans le milieu ethnographique. Et il faisait certaines révélations qui, effectivement, ont frappé par la suite beaucoup les astronomes. Il exposait brièvement, on y reviendra un petit peu après dans les détails, que pour les Dogons, qui sont donc une population du Mali, ça s'appelait avant l'ancien Soudan français, c'est pour ça que le système est dit soudanais, mais en fait il s'agit du Mali. Pour les Dogons du Mali, donc, il est évident que Sirius est une étoile double. Et ils ont nommé d'ailleurs les deux composantes de l'étoile. L'étoile la plus brillante s'appelle Sigitolo, l'étoile du Sigi, et l'étoile la moins brillante s'appelle Potolo. Et donc, c'est pour eux évident que Sirius n'est pas une étoile simple. Alors, cette énigme, tout d'abord, effectivement, étant passée totalement inaperçue, c'est par un concours de circonstances un petit peu étrange qu'elle est débarquée dans l'astronomie. D'après ce qu'on m'a raconté, en fait, c'est le cinéaste Jean Rouch, ethnologue, avec lequel d'ailleurs j'ai fait le voyage au Mali, qui a été faire une conférence aux États-Unis, une conférence évidemment sur le sujet du cinéma, et exposant un certain nombre de travaux qu'il avait faits, notamment au Mali avec Germaine Dieterlin. Il a évoqué cet aspect des choses, étant totalement ignorant de la réalité même astrophysique de Sirius. Pour lui, c'était totalement anodin. Et il y avait dans la salle une étudiante en cinéma dont le père était un astrophysicien du MIT et qui, quand on lui a raconté cette histoire-là, s'est complètement passionné sur cette affaire en se demandant qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Et évidemment, pour un astrophysicien, c'est assez difficile de comprendre cette chose-là. D'ailleurs, Jean Rouch aussi s'en était ouvert à Marcel Griol en lui demandant... mais enfin, finalement, par la suite, il avait su qu'effectivement... Le compagnon n'était pas visible à l'œil nu, et lui demandait, mais enfin, bon, si on ne peut pas le voir à l'œil nu, comment les Dogons ne pouvaient pas le voir. Et Marcel Griol lui avait répondu, parce que en fait, Jean Rouch était un ingénieur de formation, il avait répondu, vous ne pourrez jamais faire de l'ethnologie, vous êtes trop con.
Et donc, Jean Rouge s'en est toujours rappelé, parce que ça l'avait marqué qu'effectivement, il y avait quand même deux écoles de pensée, celle des ingénieurs, peut-être des astronomes d'une certaine façon, et celle des ethnographes, et comme de certaine façon, on ne parlait pas totalement la même langue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le voyage qu'on a fait, on a essayé quand même de trouver une langue commune, et je pense que d'une certaine façon, ça a bénéficié à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai eu connaissance très, très tardivement de cette énigme ethnologique sur Sirius par un livre justement écrit par l'astrophysicien du MIT, Kenneth Brecher, et dans lequel il exposait effectivement ces différents éléments. Mais celui qui m'avait retenu, c'était celui de la couleur. Il avait deux parties dans son exposé, et j'avais considéré que celui des Dogons était quand même un peu trop spécifique pour être abordé par un astrophysicien. Et alors, je vais revenir un tout petit peu sur la façon dont étaient glanées au départ les connaissances ethnologiques sur les Dogons. C'est assez important parce que cette équipe que formaient Marcel Griot et Germaine Dieterlin était d'une équipe à l'époque, tout au moins, puisque je vous rappelle que le début de cette histoire a été la mission Dakar-Djibouti, une mission qui a été montée de toutes pièces par Marcel Griot avec une méthode totalement révolutionnaire pour l'époque. Personne ne voulait le financer. Il a été trouvé des sponsors, des parrains dans tous les domaines de la société civile. Et il a même organisé un combat de boxe avec un noir américain pour que les fonds puissent effectivement aller à cette découverte qu'il voulait faire de l'Afrique. Et il avait un projet ambitieux, traverser l'Afrique de Dakar à Djibouti. Et il a vraiment réalisé son rêve avec une équipe de scientifiques, des ethnologues, mais des linguistes, enfin tout un nombre de gens qui se sont joints au projet, dans lequel il a effectivement par la suite rencontré Jean Rouch. Et le premier passage est totalement bien décrit dans un livre d'un des collaborateurs de Griold, qui est Michel Léris, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'Afrique fantôme, et qui raconte avec beaucoup de recul toute cette effectivement équipée. Il faut savoir que on est quand même dans une Afrique encore totalement coloniale, et eux y allaient avec une espèce de distance, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de reproduire le schéma colonial. Ils y allaient en fait pour la première fois avec une vision d'ethnologue ouvert, en se disant on est à la découverte d'autres civilisations, on n'est pas là pour quêter l'anecdotique. Ceci dit, en fait, en l'occurrence, néanmoins, dans cette époque-là, dans leur voyage, ils ont quand même réussi à ramasser beaucoup de choses qui remplissent maintenant le musée de l'homme. Donc il y a peut-être un petit pillage aussi des choses les plus belles de l'Afrique, mais enfin c'était l'époque qui voulait ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore totalement le respect de la culture dans son cadre d'origine. Mais néanmoins, c'était effectivement, et j'insiste parce que j'ai découvert avec Germaine Dieterlin, puisque donc j'ai été au Mali avec Germaine Dieterlin et Jean Rouch, je n'imaginais pas que Germaine Dieterlin était toujours vivante quand j'ai lu la première fois les exposés concernant les travaux de l'ethnologie de 1937, elle y a été la première fois en 1937. Mais donc, ce sont des gens qui avaient effectivement une exigence de chercheur, qui rejoint par certains côtés, bien que l'ethnographie ne soit pas une science exacte, celle des sciences dures, des sciences pures comme la physique et l'astrophysique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert quand ils sont allés au Mali la première fois? C'est assez important, ça expliquera peut-être un peu mieux la particularité de cette population, pourquoi on parle tellement des Dogons, qu'est-ce qui se passe chez les Dogons. En fait, les Dogons sont une population migrante qui a été, au départ, qui sédentarisée à peu près au XIIIe siècle. On le sait de façon très indirecte, mais de façon amusante par, effectivement, un certain nombre d'objets qui ont été trouvés chez eux. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont en fait à l'écart des grandes voies de communication. Sur cette carte, donc, c'est une carte du Mali qui déborde largement sur la région saharienne, entre Bamako et Tombouctou, on voit la ville de Mopti, et puis cette route qui va vers ce lieu dit Sanga, là où nous avons fait notre voyage, et tout le long de cette partie-là, il y a une immense falaise d'à peu près 400 ou 500 mètres de haut qui domine la plaine, et les Dogons sont au sommet de cette falaise. Ils sont donc en fait à l'écart totalement de cette grande voie de communication que constitue le fleuve du Niger, qui a toujours été la grande voie de communication de la région. Et il y a un certain nombre de villages, ils sont très séparés les uns des autres, il y a à peu près 13 villages sur 200 km. Ils sont très loin bien sûr de la grande ville, ils sont aussi très loin du Niger. Donc en fait, c'est une population qui a eu la particularité, je crois que c'est ça qui peut-être fait la qualité ethnographique de cette population, à l'écart, donc moins influencée et même pratiquement pas influencé par les grandes migrations, par l'expansion de l'islam à certains siècles, etc. Donc, en fait, ils ont constitué une unité de population intéressante pour les ethnographes. Et c'est pour ça que Marcel Griot y est revenu. Il est revenu en 1935, puis en 1937. Et ensuite, ils sont revenus de façon très, très régulière avec Germaine Dieterlin. Bon, je ne suis pas du tout ethnologue, donc je ne peux pas vous donner très, très en détail tout ce qui circule au sujet de la civilisation de Dogon, mais c'était vraiment une vraie civilisation
dont on peut effectivement observer encore maintenant, donc ça veut dire qu'effectivement c'était quelque chose d'ancien, mais qui a subsisté. La particularité en termes d'architecture, tout le monde peut-être a entendu parler de ces espèces de greniers à blé ou à mille, qui avec des toits pointus très caractéristiques. Tout l'habitat est très très particulier, il y a une partie de l'habitat qui est dans les falaises troglodytes. Ensuite, évidemment, le rôle des masques chez les Dogons, les masques sont encore vivants, elles sont des objets fabriqués, et je vous disais tout à l'heure que effectivement, on sait qu'ils sont là depuis un certain temps, parce qu'ils ont fabriqué des masques pour une certaine cérémonie qui se répétait tous les 60 ans, dont je vous reparlerai plus tard. On en a trouvé 9, plus 3 qui commençaient à être réduits en poussière. On peut calculer que 12 fois 6, ça fait effectivement à peu près, on peut remonter dans le temps où ils étaient à Sanga, au Mali, à peu près depuis le XIIIe siècle. Donc, une culture assez stable. Et en fait, bon, pour moi qui n'étais pas du tout dans l'ethnologie au départ, avec une particularité que j'ai découvert de l'Afrique, c'est-à-dire une civilisation de la parole. Bon, nous avons en Europe occidentale certainement, et dans beaucoup de régions du monde, une tendance à penser que seuls les écrits restent et les paroles s'envolent. Mais il semblerait qu'en Afrique, ce soit totalement l'inverse. Les seules choses les plus précieuses, c'est vraiment la parole, justement parce que dans certains cas, et pas toujours, parce qu'on m'a souvent repris là-dessus, j'avais tendance à penser qu'en Afrique, il y avait relativement peu d'écriture. Il y a des écritures africaines, bien sûr, mais ce n'est pas le cas des Dogons. Et dans le cas où il n'y a pas d'écriture, en fait, c'est la parole qui tient lieu de véhicule de l'information. Et c'est par un jeu de niveaux, de différents niveaux de parole, les Dogons en ont 4, plus une langue secrète qui véhicule justement l'initiation la plus élevée, qui s'appelle le Sigiso, la langue secrète du Sigi. Et c'est par ce véhicule-là que subsiste l'information qui est l'organisation sociale, bien sûr les rites, bien sûr les règles, bien sûr les interdits, mais aussi finalement la science et pourquoi pas la médecine, bien sûr, et d'autres choses encore. Et on a, je pense, effectivement, enfin moi je fais un peu mon mea culpa là-dessus, j'avoue qu'avant d'aller en Afrique, je n'étais pas du tout sensible à cette espèce de... Je pensais que les choses effectivement étaient difficiles à retrouver. Or en fait, si on retrouve des interlocuteurs, c'était le cas de Marcel Grégoire et Germaine Tarlin, qui ont effectivement parlé longuement avec des générations de Dogons, eh bien on arrive à retrouver une véritable connaissance organisée. Alors, effectivement, l'organisation sociale est dans une structure aussi fermée et très stricte. Il y a effectivement une structure tribale d'une certaine façon. Les différents tribus présentes dans les différents villages se retrouvent et discutent sous une case à palabres qu'on appelle chez les Dogons le Toguna, la case de la famille. Et alors, il y a une histoire assez amusante qui m'a stupéfait quand j'ai découvert, c'est que le grand sage du village s'appelle le Ogon. Et c'est le responsable politique par excellence, c'est le plus haut responsable. Mais à la différence de notre société où, effectivement, il n'est pas du tout élu, il est désigné. Alors on se pourrait dire, effectivement, c'est formidable quand il est désigné, il est très content, etc. Mais pas du tout. En fait, se faire désigner Ogon, c'est terrible. C'est terrible parce que le Ogon, le responsable principal, en fait, est chargé que tout marche bien. Et si tout ne marche pas bien, donc il est chargé qu'il y ait de l'eau, que les récoltes soient bonnes, que les gens ne se disputent pas, etc. Et si tout ne marche pas bien, c'est lui qui est responsable. Et donc, en fait, on peut se dire que personne ne se précipite pour être Ogon. On désigne quelqu'un et il arrive que parfois, c'est assez effectivement cité souvent, qu'il y ait eu jusqu'à le sacrifice du Ogon, c'est-à-dire peut-être en étant relativement un peu plus reculé, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il n'ayant pas rempli son office, eh bien, effectivement, il devait disparaître, remplacé par un autre. Donc voilà, effectivement, des choses qui pourraient être amusantes à transposer dans la politique des États modernes. Les gens seraient peut-être très responsables. Donc, je vais peut-être pas trop vous parler longuement de tout le mythe d'Ogon, puisque finalement, il faut quand même que je vous en dise quelques mots pour qu'on arrive à comprendre l'importance de l'étoile Sirius à l'intérieur des connaissances d'Ogon. Donc, les Dogons, qui se sont sédentarisés il y a assez longtemps, mais qui ont été pendant longtemps des nomades, ont, par exemple, un point de repère essentiel dans le village. Il se situe d'ailleurs dans le village de Sanga, au centre même du village. Ici, on a Ogol du Bas, Ogol du Haut, les deux morceaux de village qui font le village de Sanga. Et dans la place même, il y a une structure totalement symbolique qui s'appelle le Lebedala et qui est représentée schématiquement. Là, c'est un dessin qui a été fait par Germaine Diterlin. Et ça, c'est le dessin qui est fait effectivement sur les cavernes et à cet endroit-là, où on représente le soleil, qui est représenté comme ceci, et Sirius, conjointement au centre de cette espèce d'autel symbolique. Donc c'est un premier point, c'est que pour les Dogons, il est important que le Sirius et le soleil soient ensemble.
Ensuite, effectivement, on a un certain nombre de constellations et d'étoiles qui sont représentées symboliquement autour de cet point central. Et puis ici, les phases de Vénus. Et puis d'autres étoiles ici, dont le compagnon de Sirius, qui est celui-ci. Et donc, en fait, il y a une espèce de représentation symbolique par des pierres de la réalité du ciel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, évidemment, la représentation des étoiles ici ne sont pas du tout à une échelle quelconque, c'est purement symbolique. Et pour les Dogons, c'est très important. C'est-à-dire cet hôtel qui s'appelle le Lebedala n'est ni plus ni moins que l'esprit des ancêtres. C'est-à-dire les Dogons racontent que quand ils ont dû se transhumer, de certaine façon se déplacer, en fait, ils n'ont pas pu emmener vraiment avec eux l'esprit des ancêtres, mais que c'est un serpent qui, sous la terre, les a suivis. Et là où il est arrivé, c'est là où on a construit cet hôtel-là. Donc en fait, c'est à la fois un culte des étoiles et un culte des ancêtres. Et les Dogons, en fait, sont... Bien sûr, on comprend qu'en Afrique, effectivement, à certaines périodes tout au moins, quand ce n'est pas la période des pluies, les cieux sont très clairs, la présence des étoiles est très très importante, et notamment, il y a une petite comptine un peu poétique qui est rapportée par les Dogons, qui est qu'effectivement, à l'aube des temps, en fait, au tout début, le ciel était tellement près de la terre que les mères pouvaient cueillir les étoiles et les donner à leurs enfants comme jouets. Et les enfants s'amusaient avec les étoiles et leurs rayons qui partaient de tous les côtés, et puis ils s'endormaient, et à ce moment-là, les femmes reprenaient les étoiles, les remettaient dans le ciel et tout rentrait dans l'ordre. Voilà donc le symptôme pour les Dogons de l'harmonie entre le ciel et la terre, entre eux et le ciel. Alors, la cosmogonie Dogon, petit à petit, quand on rentre dans le détail, devient très très complexe. Alors, effectivement, c'est tout le travail notamment de Germaine Dieterlin, mais il y a plusieurs aspects qui sont importants pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc d'abord, on a vu donc le Lebedala, qui est ce mythe du serpent, une représentation symbolique au centre du village. Mais on a aussi effectivement cette notion que Sirius et le Soleil sont réunis. Ensuite, on a effectivement le nom qui a été donné à Sirius. Alors Sirius, qui s'appelle donc Sigi Tolo, Tolo c'est l'étoile, donc l'étoile du Sigi, fait référence à quoi ? Fait référence à une cérémonie très très importante chez les Dogons, qui est ce qu'on appelle la cérémonie du Sigi, qui a lieu tous les 60 ans et qui se répète comme ça depuis la nuit des temps pour les Dogons, et qui est en fait ce qu'on peut reconstituer comme le renouvellement du monde. C'est-à-dire le monde se recrée. Moi, je ne peux pas vous dire exactement la signification précise. Ce que j'en ai tiré, c'est qu'en certaine façon, pour les Dogons qui, effectivement, sont isolés, il faut de temps en temps redonner les règles, redonner les interdits à la génération plus jeune. Et ces 60 ans représentent effectivement à peu près exactement une génération. Et donc, cette cérémonie est attendue. Elle se reproduit, on en a effectivement des exemples. On l'avait raconté à Marcel Griol, évidemment, il est décédé avant de voir cette cérémonie, mais cette cérémonie a réellement eu lieu, elle a été filmée, et elle se reproduit sur une durée de 7 ans, en fait, pendant lequel on transporte les masques d'un village à l'autre pour faire effectivement comprendre à chaque fois des étapes des grands principes de Gond. Donc il y a chaque année quelque chose de particulier qu'on apprend ainsi aux plus jeunes générations. Et donc, effectivement, l'étoile de Sirius, c'est l'étoile du Sigi, l'étoile de cette cérémonie-là. Et la genèse de Gond est encore plus compliquée. Quand les Dogons racontent l'histoire du monde, en quelque sorte le Big Bang de Gond, l'essentiel de la création tient dans une graine qui s'appelle le pot. Et donc, évidemment, le pot, je vous rappelle qu'effectivement, c'est le nom qui a été donné au compagnon de Sirius, Potolo, l'étoile du pot. Cette graine, c'est le fonio, en langage vulgaire, et le digitaria, je crois, en langage savant. Et c'est une toute petite graine, et dans la mythologie de Gond, tout est né de cette graine. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, il y a eu deux créations du monde. La première a avorté parce que le premier être créé s'est rebellé contre le dieu qui l'avait créé, et a voulu naître avant terme. Il a donc arraché un bout de son placenta, et ensuite, effectivement, il en a fait la terre, et Dieu était, Ama, donc pour les Dogons, était tellement mécontent de ça qu'il l'a condamné à être sur la terre sans eau. Et cet être-là est devenu ce qu'on appelle le renard pâle, c'est le titre d'un des grands ouvrages de Germaine Dieterlin, le renard pâle, qui est cette espèce de créature née avant terme et rebelle à Dieu. Et ensuite, Dieu a repris son ouvrage, si je puis dire, et cette fois-ci, il a fait descendre sur la terre le génie de l'eau, parce qu'il fallait que la terre soit irriguée.
Et puis ensuite, il a fait descendre les premiers hommes. Alors là, on va retrouver petit à petit des choses qu'on va revoir après dans le panorama des villages d'Ogon. C'est que ces premiers hommes sont descendus du ciel dans l'obscurité la plus totale. Et c'est ce que raconte l'histoire d'Ogon, la genèse d'Ogon. Ils étaient seulement guidés par l'étoile Sirius. Et effectivement, ils sont descendus attachés à une chaîne, donc quelque chose qu'on appelle l'arche, à mon avis, c'est plutôt un panier pour les Dogons. Et donc, ils sont descendus dans le froid et l'obscurité, ils étaient terrorisés. Ils sont arrivés sur la Terre, toujours conduits par Sirius. Et puis, ils ont attendu, ne sachant pas ce qui allait arriver. Et tout d'un coup, le soleil s'est levé. Donc, on a donc cette conjonction qui revient un peu tout le temps. Sirius était là, puis le soleil s'est levé. Et enfin, les hommes ont pu voir le premier matin du monde, le premier soleil qui a inondé l'univers. Et depuis, il répète cet effectement, cette création du monde lors de leur cérémonie des Sigi, pour se rassurer qu'effectivement, tout va continuer. Alors, le compagnon de Sirius, là-dedans, joue un rôle important. Ça, c'est la figure que les Dogons ont tracée à Griol lors du début de son enquête. Là, on n'est pas totalement en 1937, c'était en 1949, où il montrait que l'étoile Sirius était là. Là, c'était le compagnon. À certaines époques, on était près. Et puis là, c'était le même compagnon. À d'autres époques, on était loin de Sirius. Et là, où il paraissait scintiller. Donc, voilà les deux aspects que croyaient pouvoir raconter les Dogons sur le compagnon de Sirius, lequel compagnon était figuré par différents dessins de cette sorte-là, avec toujours des choses qui s'en échappent, effectivement, dans le mythe Dogon. Évidemment, cette étoile est la source de tout, c'est la graine originelle, et de là est sorti l'ensemble du monde. Donc, voilà en quelques mots les grandes lignes de cette espèce de genèse Dogon, qui effectivement est totalement sue et connue de tout le monde, puisqu'elle se répète, et c'est ce qu'on représente tous les 60 ans lors de cette cérémonie, ces différentes étapes qui ont conduit à la création du monde. Alors, donc, on en arrive maintenant, effectivement, aux personnes qui ont recueilli ces éléments, et notamment de Germaine d'Itterlin, puisque, en fait, Marcel Griol est mort assez prématurément, en 1956. Donc, Germaine d'Itterlin, c'est elle qui a mené, peut-être, je pense, l'enquête ethnographique la plus longue qui puisse être faite, il me semble, de 60 ans, pendant laquelle elle a consacré pratiquement toute sa vie à l'étude de cette population de Dogon, y allant tous les 2 ou 3 ans, pour effectivement recueillir les témoignages de générations de gens, d'ailleurs. Moi, quand j'y ai été avec elle, elle avait les petits-fils de ses premiers informateurs. C'est-à-dire qu'elle avait eu les grands-pères, le père, puis le petit-fils, toujours aussi fidèle, évidemment. D'une certaine façon, elle représentait un peu une partie de leur mémoire. C'était relativement assez étonnant de voir ça. Effectivement, elle y a été donc pour cette période avec Griol, puis ensuite avec le cinéaste Jean Rouch. Ils ont fait un énorme travail. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup d'éléments, parce que beaucoup de choses se seraient perdues sans le support du cinéma. Et Jean Rouch est un cinéaste de renom qui a inventé le cinéma vérité, le cinéma dans la rue, le cinéma proche comme ça de l'enquête. Il a adapté ça, enfin il a utilisé cette technique pour l'étude ethnographique. Ça s'est révélé très, très très fructueux, puisque beaucoup de ses films nous montrent la cérémonie du Sigi telle qu'elle s'est passée entre les années 66 et 73. Il est venu chaque année filmer les différentes étapes. Et à la surprise de tout le monde, on s'est aperçu que ce qu'avait noté Marcel Griol sur ses notes, en fait, était totalement exact. C'est-à-dire qu'effectivement, se reproduisait la fameuse cérémonie qu'on lui avait racontée exactement dans les termes où elle avait été racontée, alors que lui ne pouvait pas la voir. Et donc, ce qui donne, de certaine façon, un peu de crédit au travail de cet ethnologue, parce qu'évidemment, l'ethnologie peut toujours être sujette à caution. Qu'est-ce qu'a raconté la personne? Qu'est-ce qui a été transcrit? Et la traduction? Et la connaissance du mot? Etc. Donc, évidemment, ça laisse beaucoup de choses dans l'incertitude. Dans un certain nombre de cas, par des vérifiés comme celle-ci, on peut s'apercevoir qu'il y a au moins des ethnologues qui ont un travail très très sérieux, un travail de récolte des informations avec une exigence qui est remarquable. Et donc, Germaine d'Itterlin n'a eu le temps que d'écrire une partie de son ouvrage qui s'appelle Le renard pâle. Elle préparait un deuxième tome et malheureusement, elle est morte en novembre 1999, le 13 novembre, donc ça va bientôt faire 2 ans. Et j'avoue qu'effectivement, je lui rends ici un nouvel hommage parce que cette femme était remarquable, remarquable sous beaucoup d'aspects, remarquable pour avoir continué si longtemps avec autant de générosité et de passion son travail. C'est quand même rare. J'ai été avec cette dame de 95 ans au Mali. Je vous ai montré la route qu'il fallait faire. On a fait 3 jours de voiture dans des routes totalement défoncées parce qu'on était à la saison des pluies. Et donc, cette dame était totalement dans son élément.
Il nous est arrivé un épisode amusant qui arrive souvent en Afrique, c'est que juste avant d'arriver là où les pistes sont les plus rocambolesques, il est tombé un énorme orage, que vous verrez d'ailleurs en partie dans le film, et on est resté coincé entre deux rivières en crue. C'est-à-dire qu'on était à l'intérieur d'une dizaine de kilomètres, il y avait une rivière en crue d'un côté, une rivière en crue de l'autre, on ne pouvait plus sortir. Et la nuit tombait, et on s'est vu effectivement rester là toute la nuit. Et donc, je me suis dit, bon, pour une dame comme Germaine Déternat, ça va être très compliqué. Eh bien non. En fait, pour elle, ça paraissait totalement simple. On s'est assis sur un rocher, on a ouvert les boîtes de sardines qu'on avait amenées pour notre séjour là-bas et on a attendu. Puis finalement, on a eu de la chance, l'eau a baissé, on a pu rejoindre le village de Sanga. Mais Germaine Déternat, à 96 ans, ça ne lui posait pas de problème de dormir dans sa voiture si c'était nécessaire pour l'amour de l'ethnologie. Je trouve ça assez merveilleux, sans compter qu'effectivement, elle avait une clarté d'esprit et une vigilance et une technique de travail qui était remarquable, dans laquelle j'ai totalement retrouvé l'exigence qu'on peut avoir pour les équations ou les choses comme ça. Donc c'est vraiment une... Effectivement, je crois que pour elle, il y a ce fameux dicton d'Empateba, qui est un poète malien, et c'est vrai qu'en fait, il est dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je crois que Germaine Déternat a emmené la bibliothèque avec elle. Et c'est bien dommage, parce qu'un certain nombre de choses qui auraient pu se continuer beaucoup plus facilement, maintenant, vont être un petit peu difficiles à faire pour raccorder effectivement tout ce qu'elle savait, elle, et tout ce qui serait éventuellement possible de connaître un peu plus avant. Alors, on en arrive à ce qu'on a fait, donc, finalement. Parce que, bon, moi, j'ai rencontré Germaine Déternat par un périple assez particulier, travaillant sur Sirius, sur l'aspect de la couleur. Un jour, un journaliste est venu me voir, un cinéaste plus exactement, en me disant qu'il préparait un film sur Marcel Griaule et qu'il voulait avoir des renseignements sur Sirius. Et c'est comme ça que j'ai découvert que Germaine Déternat était non seulement vivante, mais travaillait encore chez les Dogons. Et donc, on s'est rencontrés, on a discuté de cet aspect-là. Et j'ai découvert sa curiosité, effectivement, très, très ouverte par rapport aux choses du ciel. Et donc, on a résolu de faire un voyage ensemble au Mali. Je vous signale qu'effectivement, avant moi, hein, c'est pas pour... Mais aucun astronome n'avait eu l'idée de se rendre sur les lieux, sans doute parce qu'effectivement le problème paraissait relativement mineur, a priori, cette énigme de Sirius et du compagnon de Sirius ne paraissait pas un aspect très très important. Mais enfin, c'était quand même symptomatique, c'est-à-dire avant même d'aller voir de quoi il s'agissait, bon, ben, finalement, personne ne voulait y aller. Donc on a décidé d'y aller, et alors on a choisi évidemment une date qui n'était pas innocente, on a choisi d'aller en juillet 98. Alors, 98, ça c'était parce que c'est le moment où on a pu, mais en juillet, pourquoi ? En juillet, en fait, c'est la saison des pluies au Mali. Donc, ce n'est pas la meilleure saison, parce qu'effectivement, le ciel n'est pas pur, bon, il tombe de l'eau, etc. Mais on avait choisi ça parce que, dans ce qui s'était fait jour auparavant, dans les travaux de Griaule, dans les notes qu'il avait prises, et puis ce qu'on voyait dans la représentation symbolique de Sirius et du Soleil, il y avait cette notion de conjonction. Et en fait, bon, Griaule, et peut-être, mais d'autres, bien avant nous, avaient pensé que ça reflétait assez fidèlement une notion d'un phénomène céleste très connu depuis les temps très anciens, puisqu'il était remarquable chez les Égyptiens anciens, c'est celui du lever héliaque. Alors, donc, je vais revenir, on reviendra là. Le lever héliaque, qu'est-ce que c'est? Je prends 2 minutes pour vous expliquer, parce que c'est un terme barbare et qui est très simple. Le lever héliaque, c'est le lever d'une étoile, pas forcément de Sirius, de n'importe quelle étoile, avec le Soleil. Alors, avec le Soleil, ça veut dire quoi? Vous savez qu'effectivement, quand il y a le Soleil, on ne peut pas voir les étoiles. Mais imaginons, faisons un travail d'imagination, imaginons que, voilà, on est en juin, donc le Soleil est là. Donc évidemment, normalement, on ne peut pas voir, mais on éteint le Soleil. On voit toutes les étoiles qu'il y a autour. On voit que le Soleil, évidemment, est dans le taureau. C'est donc notablement la signification des différents signes astrologiques, des signes du zodiaque. Et il est dans le taureau, et donc, comme Sirius est ici, le Soleil, dans son mouvement diurne, le mouvement de la sphère céleste, quand le Soleil se lève, évidemment, le Soleil se lève à l'est et monte dans l'horizon, évidemment, Sirius va être derrière le Soleil, elle va être noyée dans la clarté lumineuse, on ne la verra pas. On laisse passer un mois, on se trouve en juillet. Donc déjà, le Soleil est élevé depuis un temps plus court et Sirius apparaît un peu plus rapidement. Et puis on laisse passer encore un peu de temps, on va être assez confortable cette fois-ci, on va aller jusqu'au mois d'août. Et là, on voit que le Soleil n'est pas encore tout à fait levé, que déjà, Sirius est à l'horizon. Et en fait, si vous voulez, ce décalage lent va se continuer. Et donc, il y a un moment dans l'année, quelque part là, quand le Soleil est à peu près là, où les deux apparaissent en même temps à l'horizon. C'est ce qu'on appelle le lever héliaque de Sirius. C'est une conjonction qui n'est pas exacte. Évidemment, le Soleil n'est pas superposé à Sirius, mais ils se lèvent ensemble. Et une conjonction suffisamment remarquable pour que les Égyptiens anciens l'aient utilisée pour marquer le début de l'année. Et c'est totalement astucieux, parce que pour marquer le début de l'année, on n'a pas beaucoup de façons de le faire.
On a le mouvement du soleil, on ne le voit pas au travers des étoiles. Donc on se sert, dans la tradition grecque par exemple, du mouvement à l'horizon. Le soleil monte à l'horizon vers le nord, puis redescend vers le sud, et donc il s'arrête. Il y a les solstices, les moments où il s'arrête, et c'est ce qu'on avait repéré comme moment pour marquer l'année. Mais c'est très imprécis. Et finalement, les Égyptiens anciens, là je vous parle, on a retrouvé la trace de ce fameux lever héliaque jusqu'à des temps de l'ordre de 2000 ou 2500 ans avant l'ère moderne, et il était repéré par rapport à ce phénomène astronomique particulier. Le lever héliaque de Sirius est le début de l'année égyptienne, et vous pouvez encore l'utiliser aujourd'hui pour marquer le début d'une année si vous faites l'observation suffisamment précise. Alors, il y a une toute petite incertitude, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va voir le Sirius en même temps que le Soleil, parce que ça dépend un petit peu de l'atmosphère, ça dépend un peu s'il y a des nuages, etc. Il y a un ou deux jours, peut-être un peu plus, où on ne sait pas, c'est un petit peu comme la lune du Ramadan, si vous voulez. Il y a un jour, on la voit, un jour, on ne la voit pas. Et bien là, c'est Sirius, c'est à peu près pareil, mais c'est quand même un moment où on doit le voir, et évidemment, dans une situation à l'horizon bien précise. Ce qui me fait revenir à notre lieu ici. Quand on a été au Mali, on n'avait pas le temps de faire énormément de choses. On est resté à peu près une dizaine de jours. On avait choisi deux lieux qui avaient été repérés d'abord par Germaine Dieterlin et Marcel Griol, dont un que Marcel Griol n'avait pas eu le temps vraiment d'étudier à fond, qui est le lieu ici qu'on appelle la caverne du traversement, et donc qui est pour les Dogons, dans le village de Sanga, le lieu où s'est posée l'arche des premiers hommes. L'arche est symbolisée par cette espèce de grande dalle, énorme dalle, donc qui n'a pas pu être bougée par les hommes, et qui, alors, de façon très intéressante, l'image ici date de 54, et en 98, enfin, c'est pas en 98 que c'est arrivé, mais c'est à peu près dans les années 90, l'arche a été frappée par la foudre, elle s'est effondrée, puisque c'était les deux blocs qui n'étaient pas vraiment réunis, elle s'est effondrée, elle s'est cassée, mais effectivement, le lieu, évidemment, reste intact quand même. Et en face de celui-là, de l'autre côté, vous avez, donc là je déflore un petit peu ce que vous allez voir dans le film, enfin je préférais vous l'exposer comme ça pour que vous compreniez un petit peu mieux, deux rochers, l'un que les Dogons appellent le rocher du Soleil, et l'autre que les Dogons appellent le rocher de Sirius. Donc voilà la géographie des lieux sur lesquels on souhaitait vérifier un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que les Dogons quand ils parlent de Sirius du Dogon, de Sirius du Soleil, qu'est-ce que c'est quand ils pensent au moment où ils apparaissent ensemble, qu'est-ce que ça représente, est-ce que c'est totalement aléatoire ou pas. Donc les Dogons nous montrent effectivement ce lieu-là, et l'idée totalement simple, effectivement, c'était d'essayer de déterminer l'orientation de ces différents éléments dans le décor naturel. Et donc, ici, j'ai reporté le relevé que j'en ai fait. Donc, vous avez ici l'arche que je viens de vous montrer, avec en face le rocher de Sirius et le rocher du Soleil. Et ici, vous avez un certain nombre de rochers plus petits, qui ont, semble-t-il, été, en tout cas, étant plus petits, peuvent être bougés par les hommes, et qui sont les quatre ancêtres. Et puis ensuite, vous avez encore un certain nombre d'objets ici qui sont désignés par des noms de constellations. Alors, les orientations géographiques sont reportées là, et la taille à peu près des distances ici. Alors, bon, la chose a été relativement facile à faire. J'ai donc mesuré à partir d'un endroit très précis dans l'arche, puisqu'on l'appelle la caverne de traversement, parce qu'il y avait un endroit où un homme pouvait se glisser entre deux pierres, et qui était le poste d'observation qu'indiquaient les Dogons. Et donc, j'ai mesuré, dans un premier temps, d'abord, on peut voir, de façon peut-être, disons, une coïncidence, que de l'endroit où sont placés ces fameux rochers des ancêtres, le rocher de Sirius et du Soleil sont alignés. C'est-à-dire que ça correspond, d'une certaine façon, un petit peu à l'idée qu'en avaient les Dogons quand ils parlaient de la réunion du Soleil et de Sirius. Mais plus exactement, d'ici, quand on mesure donc, les orientations géographiques, donc ici on a 70 degrés, l'orientation qui correspond au lever du Soleil à l'horizon au moment de cette fameuse conjonction du lever héliaque, et 110 degrés, la direction qui correspond au lever de Sirius au moment exact où ils apparaissent à l'horizon. J'ai fait figurer deux petites flèches complémentaires parce qu'évidemment, pour le Soleil, c'est simple quand il apparaît à l'horizon, mais pour Sirius, effectivement, il y a toujours un moment où on ne sait pas si on le voit quand il est déjà un petit peu plus au-dessus de l'horizon. Donc là, c'est la position quand il apparaît à l'horizon, là, c'est la position quand il est déjà 5 degrés au-dessus de l'horizon. Mais on voit que la coïncidence est relativement troublante, c'est-à-dire qu'effectivement, et donc on a essayé de le filmer tellement ça nous a paru intéressant, on a moyennement réussi parce que c'était assez compliqué à faire. Mais on se trouve dans une configuration qui est assez simplement celle que pouvaient utiliser les Dogons pour observer et repérer et attendre le lever héliaque de Sirius, c'est-à-dire le lever de Sirius au même moment que le Soleil. Donc ça, c'était un premier
constatation qu'on a faite. Là, j'en ai fait un petit schéma un peu plus agrandi. Donc, on voit effectivement ici, par rapport à la première date où il serait possible, théoriquement, enfin, c'est le 13 juillet, c'est la date où Sirius et le Soleil apparaissent à l'horizon. Mais évidemment, quand le Soleil est déjà apparu à l'horizon, on ne voit pas Sirius. Il faut qu'il y ait un certain décalage. Et la zone grisée représente ce décalage possible entre le moment où on le voit pour la première fois. Ça doit être quelque part au milieu de ça. De la même façon qu'ici, ça doit être quelque part au milieu de ça pour la position de Sirius. Et donc, c'est à peu près la topographie, donc l'angle approximatif que j'ai repéré ici pour ce site-là, donc, qui n'avait pas du tout été étudié par Griol, et qui était de façon assez convaincante un espèce d'assemblage sur le sol, espèce de moyen mnémotechnique de se rappeler d'une configuration d'une étoile. Alors, j'ai repris aussi un travail de Marcel Griol. Ça, c'est un exemple de ces notes que m'a transmis Germaine Dieterlin. On voit le soin du relevé de Marcel Griol. Marcel Griol a relevé une caverne tout entière, c'est-à-dire une anfractuosité dans une falaise, et il note tous les détails. Bon, là, il y a tous les noms qu'on lui a donnés. Il note la hauteur des pierres, la hauteur sous plafond, etc. J'en ai fait une... Alors, il note même... Parce qu'effectivement, pourquoi c'était intéressant, pourquoi on est revenu là, c'est parce que cette pierre-là, elle est nommée la pierre de visée de Sirius, et il a marqué très exactement l'endroit qu'on lui a indiqué pour l'endroit où se plaçaient les gens pour voir. J'en ai fait un relevé un peu plus dépouillé, et donc voilà l'orientation, l'endroit où on voyait... Donc voilà quelques-unes des mesures qu'on a pu faire sur les lieux mêmes. Donc si on veut maintenant tresser un petit bilan astronomique, cette fois-ci on va parler en termes d'astronomie, pour savoir qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on peut penser de ce lieu et de cette connaissance en Afrique chez les Dogons. Alors déjà premièrement, Sirius et son compagnon, effectivement de façon évidente, sont des astres centraux dans la mythologie Dogon. Ce ne sont pas des choses périphériques, c'est vraiment au centre de l'histoire des Dogons par beaucoup d'aspects. Deuxièmement, les Dogons ont une connaissance très probablement astronomique de Sirius, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un certain nombre de lieux dans lesquels ils peuvent observer le retour de Sirius avec le Soleil, ce fameux lever héliaque. En contrepartie, effectivement, c'est une confirmation d'un certain nombre de relevés de Griol, puisque pendant un certain temps, une polémique est née à partir de cette espèce d'énigme en disant finalement Griol aurait pu tout inventer, il a fait ça pour se rendre intéressant, etc. On voit que ces relevés sont très exacts, que ce qu'il a noté est extrêmement précis. Au passage, effectivement, on note que effectivement, on est en face de ce qu'on peut appeler quand même une astronomie africaine. Et là, c'est loin d'être accepté dans l'histoire de l'astronomie qu'il y aurait des éléments de l'histoire, au moins de l'astronomie, qui soient situés en Afrique. On met beaucoup de temps, sans doute en Europe occidentale, à se rendre compte que l'astronomie s'est développée dans bien d'autres endroits de la planète. À la limite, on connaissait l'astronomie égyptienne, mais en Afrique, alors que, évidemment, rien ne l'empêche, du témoignage de Germaine Dieterlin, ce qui était chez les Dogons, pour elle, n'était pas vraiment très particulier. Il est très probable qu'effectivement, dans d'autres populations, pour autant qu'elles aient gardé une tradition continue, il y ait à peu près les mêmes types de connaissances qui soient conservées. Alors, pour autant, on n'a aucune clé sur le compagnon, c'est-à-dire cette fameuse énigme, comment les Dogons pouvaient voir et imaginer la présence d'un compagnon qui est une petite étoile et qui plus est invisible. Alors là, je vous ai évoqué les différentes hypothèses, puisque depuis le temps qu'on en discute, puisque la polémique astronomique a rebondi en 70, et donc on est déjà 30 ans plus tard.
Alors, les premières idées ont été tout simplement d'un mirage à l'horizon, d'un phénomène atmosphérique qui aurait dédoublé, dans certains cas, l'étoile Sirius, et qui donc aurait pu faire croire aux Dogons qu'il y avait une autre étoile à côté. La deuxième hypothèse est plus intéressante et certainement à considérer. Effectivement, elle est de se poser la question, est-ce que les Dogons n'ont pas, puisqu'on a vu que Sirius, on en avait parlé, enfin, elle était relativement une étoile qui s'est signalée à l'attention, est-ce qu'ils n'ont pas pu recevoir la visite de missionnaires? La réponse est oui, les missionnaires sont passés. Et est-ce que ces missionnaires n'auraient pas pu parler aux Dogons de cette connaissance qu'on avait en Europe occidentale de l'étoile autour de Sirius? Alors, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est qu'effectivement, les missionnaires sont passés. Le contre, c'est quand même que, je vous rappelle que les grandes découvertes de Sirius, c'était en 1860, en 1920. Bon, c'est quand même des époques reculées où il n'y avait pas les moyens de communication modernes, où il fallait vraiment être un mordu d'astronomie pour comprendre et essayer de saisir ce qu'il y avait derrière ces découvertes. Ce n'était pas dans la première page des journaux. Et donc, il fallait que le missionnaire en question soit vraiment un trapu en astronomie. Et d'autre part, en fait, la grosse problème qu'il y a quand même, c'est qu'effectivement, l'histoire de Sirius était tellement achassée dans la connaissance générale, dans le mythe Dogon en général, qu'il est très difficile, dans un laps de temps très court, puisque, effectivement, Griot a eu contact avec les Dogons dès 1931, donc il faut imaginer qu'entre 1920 et 1931, même plus exactement en 1925 à 1931, il y aurait eu toute cette amalgame qui a été faite par les Dogons, qui aurait intégré ça dans leur mythe. Moi, personnellement, effectivement, j'ai beaucoup de mal à le croire. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce genre de choses. Et c'était trop... Enfin, cette hypothèse vaut la peine d'être effectivement étudiée. Et enfin, je vous signale ça parce que certains d'entre vous pourraient être confrontés à cette hypothèse extravagante d'un dénommé Richard Temple, et qui, ni plus ni moins, lui saute de pas et dit finalement, quand il y a une connaissance qu'on ne comprend pas, elle est venue d'ailleurs, elle est venue d'extraterrestres. Et donc, il échafaude. Son livre est d'ailleurs assez bien fait, parce qu'au départ, il reprend les éléments factuels, mais enfin, il échafaude après toute une mythologie, cette fois-ci, hautement improbable des extraterrestres. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce qu'on pourrait en tirer du point de vue de l'astrophysique, parce que bon, moi, je connais les naines blanches, je sais ce qui peut se passer sur une naine blanche, je connais bon, Sirius aussi, mais alors comment on s'en sort? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme scénario? Alors là, on passe évidemment dans un domaine qui est prospectif, mais qui a conduit un certain nombre de travaux que j'ai menés parce que ça me paraissait intéressant. Alors, on revient avec un autre aspect de Sirius qui n'est pas solutionné, que celui de la couleur. Alors, j'ai, au passage, voilà, je vous signale ce livre, qui est celui à éviter, où il y a effectivement cette théorie un petit peu particulière sur l'interprétation de cette connaissance de Dogon. Alors, pourquoi il y a encore du travail à faire, et pourquoi tout n'est pas résolu sur Sirius, c'est que ça laisse quand même un certain flou et une certaine zone d'investigation possible. Bon, premièrement, on a vu que Sirius, c'est un couple d'étoiles. Alors, des étoiles avec des naines blanches, on en connaît. Des étoiles binaires, des étoiles en couple, la moitié des étoiles pratiquement sont en couple. Mais qu'il y ait une naine blanche et une étoile aussi grosse que Sirius A ensemble, on n'en connaît pas. Sirius A et B est un couple unique. L'étoile, en l'occurrence, l'étoile qui accompagne Sirius B, est beaucoup trop massive. Elle a une durée de vie assez courte. Et donc, on ne comprend pas comment on a eu le temps d'attendre que l'étoile d'à côté subisse toute son évolution pour se transformer en naine blanche avant effectivement d'apparaître comme un couple. Ça veut dire que très probablement, il est très plausible que ce soit un couple capturé, soit deux étoiles qui soient retrouvées ensemble par le jeu des mouvements, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça laisse quand même une part de possibilités sur l'évolution ultime et postérieure du couple. Deuxièmement, donc le ciel est largement inexploré autour de Sirius, à cause de la diffusion de l'étoile brillante. Donc on ne connaît pas l'étoile qui sont autour. Troisièmement, on a vu que l'orbite effectivement, était encore incertaine. Il y a donc d'ores et déjà des travaux, d'ailleurs, de l'astronome de l'Observatoire de Nice, qui ont mis en évidence une espèce de perturbation. Alors, quand on dit perturbation, on dit peut-être quelque chose d'autre, effectivement, dans cette espèce de couple, ou encore autre chose qui vient le perturber. Et enfin, il y a une autre énigme. Alors là, je n'ai pas le temps d'en parler, il faudrait effectivement un exposé en lui-même, sur la couleur de Sirius. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Sirius? Et là, il y a relativement beaucoup moins de place qu'avant sur la polémique. On a des chroniques de Ptolémée, le même astronome grec qui a effectivement noté la position des étoiles, qui note très clairement dans son travail qui nous est parvenu par le biais des Arabes sous le nom d'Almageste, donc le travail fondateur de l'astronomie grecque. Sirius, il nomme toutes les étoiles rouges, et il y en a 5 ou 6, et Sirius est la 6e. C'est une étoile rouge pour Ptolémée. Bon, on a vu tout à l'heure l'image que nous offrait Sirius. On ne peut pas se tromper, ce n'est pas une étoile rouge. Donc, voilà l'énigme de la couleur. Pendant longtemps, on a pensé qu'éventuellement, les transcriptions aidant, le mot grec qu'emploie Ptolémée, hypokyros,
donc qui veut dire rouge, de teint cuivrâtre, peut-être a été mal traduit, enfin bon. Et en fait, ce n'est pas le cas. En fait, j'ai participé directement à cette espèce de travail sur la couleur de façon très fortuite en étant en Chine. Enfin, j'allais en Chine pour d'autres raisons, mais j'ai étudié avec des astronomes chinois les chroniques anciennes chinoises, notamment d'une tradition totalement indépendante. Et on a retrouvé un texte ensemble, parce que je n'aurais pas eu vraiment le moyen d'aller jusqu'au fond de ce qui étaient tous ces textes-là, où très, très évidemment, de façon évidente, Sirius est rapporté comme une étoile, non pas qu'il soit rouge, mais qui ait changé de couleur. Donc ces deux attestations dans deux domaines de cultures différentes laissent à penser que véritablement, effectivement, le problème de la couleur est un vrai problème pour Sirius. Là, je vous le dis de mon point de vue personnel, sans doute que beaucoup d'astrophysiciens vous donneront des éléments pour penser qu'il n'en est rien. Et c'est vrai qu'à la base de la discussion, on pensait à un rougissement par l'atmosphère à l'horizon, il y a des tas d'hypothèses qui peuvent être faites. Mais moi, je pense qu'il est vraiment intéressant de travailler sur ce problème-là. Alors, ça m'a amené effectivement, en fonction de ces différents faisceaux de convergence de choses, de faire l'hypothèse qu'il pourrait exister une troisième étoile. Ce ne serait pas un système binaire, mais un système triple avec un deuxième compagnon. Et donc, le scénario, bon, je vais revenir un petit peu sur ce qu'aurait pu produire cette étoile, sur l'hypothèse sur laquelle j'ai travaillé. Le scénario aurait été, effectivement, à ce moment-là, si c'est vraiment passé quelque chose il y a à peu près 2000 ans, l'observation qui aurait été sans doute égyptienne aurait pu être très facilement transmise au Dogon. On a l'évidence démontrée sur cette carte qu'il ne fait pas de doute que, encore maintenant, mais certainement beaucoup plus avant, au moment où la sécheresse n'était pas aussi accentuée, on a un certain nombre d'itinéraires, à la fois de caravanes, voire de pirogues, puisqu'effectivement, ici, il y a un certain nombre de cours d'eau qui n'étaient pas aussi asséchés qu'ils le sont maintenant, qui permettaient une circulation. Ça, c'est une carte extraite d'un ouvrage de Germain Dieterlin, et qui montre donc ces itinéraires transsahariens. Donc, en fait, le lien, et c'est pour ça qu'il n'est pas trop compliqué d'imaginer que aussi la notion de levée héliaque a été transmise aux Dogons. Les Dogons n'étaient pas une population isolée. Et donc, ensuite, la seule chose qu'on pourrait dire, et ça avec un gros point d'interrogation, la seule piste par rapport à typiquement l'histoire des Dogons, c'est que s'il s'est passé effectivement quelque chose de spectaculaire autour de Sirius, qui en a changé la couleur il y a 2000 ans, eh bien pour les Dogons en particulier, certaines intuitions auraient pu leur faire penser qu'effectivement, puisqu'il y avait une cause, il y avait un effet, et que l'effet, en l'occurrence, était une petite étoile qui était proche de Sirius, qu'on avait perturbé la structure. Alors, c'est de façon amusante un petit peu l'hypothèse sur laquelle on a travaillé. Il y a déjà un certain nombre d'années, puisque on a fait cette hypothèse avec une astronome de Marseille, et on a pu calculer qu'il était très, très possible, évidemment, d'introduire une petite étoile. Il ne faut pas qu'elle soit trop grosse. Il ne faut pas qu'elle soit en permanence trop près de ce couple-là, parce qu'elle en perturberait notablement l'équilibre, mais si elle était relativement lointaine par moments, puis très proche par d'autres moments, ce qui est évidemment la trace de cette orbite très elliptique, qui est une orbite assez classique d'un certain nombre de systèmes, surtout que pour pouvoir être dans une certaine forme de stabilité, c'est presque obligé qu'elle ait cette forme-là, et que la durée de faire cette orbite soit plus de 2000 ans, alors on pourrait avoir un moment où ce petit objet passe si proche de l'étoile A, en l'occurrence, qui est l'étoile la plus grosse, qu'elle est en arrache de la matière, créant notamment ce rougissement de l'étoile. C'est l'hypothèse sur laquelle on a travaillé. Ne vous fiez pas à ce dessin d'artiste. Effectivement, c'est une vue d'artiste assez librement adaptée. Mais l'hypothèse est intéressante. On a pu calculer, effectivement, en tout cas, du point de vue de l'énergie qui était nécessaire pour arracher une certaine partie des couches superficielles de l'étoile Sirius A, c'était plausible, c'était possible. Et donc, on a travaillé sur cette hypothèse-là. Donc, cette fois-ci, en se disant, évidemment, ça serait une façon intéressante de résoudre le problème de la couleur. Et donc, on a... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, on a fait une première image. D'abord, en 85, on a fait deux images superposées pour pouvoir étudier les étoiles. Toutes les étoiles, c'est une image du ciel ici, autour du Sirius. Sirius est là. Et donc, toutes ces étoiles ici, avant l'image que nous avons faite, personne ne les connaissait. Elle n'avait pas été du tout étudiée parce qu'elle était totalement noyée. Ici, vous avez Sirius qui est masqué par ce fameux coronographe qu'on utilise dans ces cas-là. Et personne n'avait jamais pu faire cette image-là. Il faut effectivement régler extrêmement bien l'instrument et adapter un coronographe vraiment étudié extrêmement précisément pour le cas de Sirius pour pouvoir faire cette image-là. Alors, on s'était dit, effectivement, s'il y a un compagnon autour de Sirius, il est entraîné dans le mouvement de Sirius. On connaît effectivement le mouvement propre important. Et donc, s'il est entraîné,
il va se déplacer et sur le fond d'étoiles qui peuvent être des étoiles plus lointaines, dans la majorité sont des étoiles plus lointaines, puisque Sirius est très très proche, donc toutes elles sont plus lointaines, eh bien, il se détachera et on le verra bouger. Et donc le jeu auquel on s'est intéressé, là vous voyez une animation qui ne marche pas très bien, c'est Sirius A et Sirius B qui tournent autour de l'autre et qui font le trajet au milieu des étoiles selon les années. Alors je vais quand même vous mettre ça un peu plus précis, voilà. Et alors, donc vous avez la trajectoire de A, la trajectoire de B au cours du temps. La première image qu'on a prise, il y a déjà un certain temps, c'était au Chili, à l'ESO. Donc comme on a la chance que l'étoile Sirius soit presque à l'équateur et est observable l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, on a refait une image un tout petit peu après, enfin quand même 13 ans après, au pic du midi, en s'arrangeant pour avoir que cette distance soit suffisamment grande, de façon à ce qu'on puisse voir si le mouvement de cette étoile-là, sur nos images, soit absolument détectable. Et on l'a fait, on a superposé les deux images, ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, là, et en fait, aucune de ces étoiles n'a bougé. Donc en fait, notre première partie de travail a conduit à un résultat négatif, c'est-à-dire que, au moins, les étoiles brillantes autour de Sirius, aucune n'est associée à Sirius, donc l'hypothèse du troisième compagnon, effectivement, du deuxième compagnon, pour autant, n'était pas tellement facile à démontrer. Alors, on a quand même un peu persévéré, et l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, l'image qu'on a obtenue en 2000, a été une image plus proche encore de Sirius, c'est-à-dire que si on se reporte à cette image-là, l'image que vous voyez, elle correspond à un petit carré qui est pris ici, à l'intérieur même de cette chose-là, c'est pour ça qu'on a dû effectivement utiliser cette technique d'optique adaptative, parce que ça devenait très très critique d'avoir une image extrêmement piquée de Sirius. Et en fait, elle nous a servi bien sûr à avoir une belle image de Sirius B, mais surtout nous sert à l'heure actuelle pour calculer dans ce champ autour de Sirius, de savoir s'il n'y a pas une petite étoile. On l'a fait en infrarouge, parce que les petites étoiles sont plus visibles en infrarouge. On aurait dû voir un objet. S'il est extrêmement faible, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que ça ne serait pas vraiment une étoile. S'il existe quelque chose autour de Sirius maintenant, c'est quelque chose qui devrait être quelque chose qui est une étoile avortée, que dans le jargon des astronomes, on appelle une naine brune, c'est-à-dire une étoile qui est vraiment à une température très très faible, et donc c'est la seule possibilité qui existe. Donc voilà une partie d'enquête qui est faite. Elle valait le coup d'être faite, parce qu'avant de faire ces observations, personne ne pouvait dire si l'hypothèse pouvait résister ou non au fait d'observation. Mais disons qu'on arrive plutôt à une conclusion négative. Et donc, en épilogue, je ne vous réponds donc pas la réponse ce soir, de savoir ni où et comment les Dogons ont observé le compagnon de Sirius, ni et pourquoi et comment Sirius a changé de couleur. On va travailler sur d'autres hypothèses. Si l'événement a eu lieu il y a 2000 ans, il y a encore pas mal de choses qui peuvent être étudiées, notamment dans le couple A et B. Je vous ai dit qu'effectivement, a priori, les étoiles, ou plutôt je ne vous l'ai pas dit, mais les étoiles sont trop séparées l'une de l'autre pour pouvoir interagir notablement. Mais on a découvert, d'ailleurs ici à l'IAP, l'équipe de Vidal-Bajar, que Sirius A, à la grande surprise des astronomes, perdait un petit peu de matière. Ce n'est pas une étoile dont on s'attendait à ce qu'elle perde de la matière, une étoile très très stable. Elle perd quand même ce qu'on appelle un vent d'étoile, un vent stellaire. Et alors, le fait que cette étoile perde de la matière peut amener à ce que cette matière se dépose sur la naine blanche et crée éventuellement des phénomènes explosifs. C'est la deuxième partie de l'enquête, dont on pourra vous dire plus dans quelques années sans doute. Et sinon, je voudrais quand même signaler que, en fait, toute cette recherche a l'avantage, évidemment, de marier plusieurs disciplines, ce qui a aussi, pour un astronome, l'avantage de lui ouvrir un peu plus l'esprit. Je me demande quelle autre trace pourrait-on trouver d'astronomie africaine. J'ai été frappé en étudiant un petit peu les ouvrages qui ont paru, qui ne sont pas en très, très grand nombre, qu'il y a énormément peu de choses sur l'astronomie africaine. Il y a certainement des tas de choses à faire. Le problème, c'est qu'effectivement, ce n'est pas en Afrique qu'on peut le faire parce que les gens n'ont absolument aucun argent. Donc, je me demande si, effectivement, il n'y aurait pas de la part des astrophysiciens et des historiens des sciences d'Europe occidentale un effort à faire sur cette piste-là. Il est évident qu'effectivement, il faut sans doute se joindre plusieurs types d'approches parce que, effectivement, chaque discipline a ses œillères. Mais pour moi, en tout cas, la conclusion de tout ça, si je n'ai pas la réponse de pourquoi et comment Sirius a été rouge et a un compagnon, en tout cas, c'était une démarche très, très riche. Et donc, puisque je vois que vous êtes restés attentifs, je vous propose, si vous le voulez, de voir cette fois-ci en image le film reportage qui a été réalisé par le CNRS. Alors, ayez de l'indulgence pour le film qui a été fait, évidemment, à des moyens très, très légers.
La qualité d'image n'est pas extraordinaire, d'autant plus que je n'ai pu amener ici qu'une de copie VHS, mais disons c'est le document qui vaut la peine peut-être d'être vu. Et il a été réalisé par Jérôme Blumberg, et on y voit bien sûr Jean Rouch et Germaine Dieterlin. Donc Germaine Dieterlin malheureusement a disparu, elle aurait été très très contente d'être dans cette assistance. Jean Rouch actuellement reçoit au Palais de Chaillot un prix international pour l'ensemble de sa carrière, j'ai été le voir tout à l'heure, mais il était retenu. Et donc Jérôme Blumberg, lui, a choisi de prendre la mer et est en train de faire une traversée entre les Canaries et récifs au Brésil. Donc voilà, je ne pourrais que moi seul répondre à vos questions sur le film, mais sur le reste après si vous voulez. Dans ce que vous avez exposé, dans le mythe de la création d'Ogon, apparaît un symbole sous forme d'un animal qu'on retrouve dans d'autres civilisations, le serpent, en particulier dans d'autres religions, dont les religions chrétiennes, et également en Amérique du Sud, et également même, je crois, en Europe centrale, dans les pays de la Sibérie. Donc ce mythe du serpent semble être un mythe assez universel. Est-ce que chez les Dogons, ce mythe du serpent est rapporté et plaqué sur l'ancien mythe de Sirius, ou bien est-ce qu'il est antérieur ? Parce que vous n'en reparlez pas après, apparemment. Oui, bien sûr. J'ai un petit peu de mal. J'avoue que, je vous l'ai dit, je ne suis pas vraiment ethnologue. J'ai donc, par contagion, si je puis dire, amassé un certain nombre de connaissances. Effectivement, ce mythe-là, en fait, paraît très ancien. Paraît très ancien, parce que c'est vraiment le mythe du voyage et de ce qui reste, de ce qu'on est obligé de garder lors d'une migration. Puisque c'est pour, avant d'être Sirius et le soleil réunis, hein, c'est avant tout pour les Dogons l'esprit des ancêtres qui voyage sous terre. Voilà, donc j'aurais tendance à dire que c'est peut-être encore plus profond. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les connaissances astronomiques des Dogons vous ont permis d'évaluer la durée de leur mémoire orale ? Non, pas directement, parce que on ne peut pas. Sauf que si on fait l'hypothèse que ce phénomène de levée Iliaque, par exemple, qu'on connaît des Égyptiens, donc si on fait l'hypothèse qu'il a été transmis aux Dogons, ça veut dire que la mémoire orale remonterait jusqu'à cette période ancienne. Ce qui pour moi ne pose pas vraiment de problème. Je pense que ça nombre de rites, de règles de vie ou d'organisation sociale se sont transmis, on en a sans doute d'autres exemples, il ne me revient pas à l'idée, mais sur des périodes aussi longues, on voit bien le vecteur de la religion, par exemple, maintient en vie un certain nombre de règles et de principes pendant très très longtemps. Donc je le mets pas, si c'était avéré, enfin si on arrive à le démontrer, encore, pourquoi faudrait-il le démontrer vraiment complètement, ça me semble aller assez de soi. Je pense que pour moi, l'histoire du lever Iliaque, En fonction de la proximité avec l'Égypte et de tous ces moyens de communication, il me semble bien qu'ils auraient été hérités pour les Dogons depuis les Égyptiens. À ce moment-là, il faudrait compter en milliers d'années, disons 1500, 1800 ans, je ne sais pas effectivement à quel moment. On sait que déjà à la fin, le rite égyptien était déjà bien perdu à la fin, au début de l'ère moderne, quoi. On a soi-disant fêté le dernier parce qu'il y avait des périodes sotiaques, enfin, ce qu'on appelait les périodes sotiaques, c'était comme l'année égyptienne se décalait d'un quart de jour parce qu'il comptait en jour entier, la date du lever Iliaque à la même période de l'année se répétait toutes les 1466 ans, et donc ces grandes périodes se répétaient et étaient fêtées. Je crois qu'on a fêté la dernière en l'an 20 ou avant l'ère moderne, et donc après, c'était déjà plus tellement pratiqué, donc les Égyptiens eux-mêmes commençaient à oublier un petit peu cette règle-là. Et donc, il faut bien compter que c'est à peu près à partir de cette période-là que si les Dogons ont récupéré quelque chose, c'est à ce moment-là, c'est pas beaucoup plus tardivement. Ou alors, il faudrait imaginer que c'était conservé en Égypte dans certains endroits. Enfin, je ne sais pas. Mais pour répondre à votre question directement, je pense que je n'ai pas beaucoup de problèmes à imaginer qu'on puisse garder une mémoire, même par un vecteur oral, sur des milliers d'années. Ça ne me paraît pas, vu ce que je connais maintenant de la fonction de la parole dans certaines sociétés. Justement, c'est pour ça qu'on a sans doute inventé, dans ce cas-là, des langues secrètes, des langues particulières qui véhiculent juste, qui sont justement adaptées à véhiculer ça, qui ne veut pas forcément répéter urbi et torbi partout, mais qui au moins forment la base d'une initiation. Et l'initiation, c'est très très fort, ça on le sait, effectivement, je pense. Voilà.
un peu dans le même registre, là, cette cérémonie répartie sur quelques années tous les 60 ans. Bon, 1970, il y a le film, il n'y a pas de doute. 1910, j'imagine qu'on doit avoir des... Est-ce qu'on a des rapports? Ah non, on n'a rien du tout, on n'a rien du tout. Parce que je pense que... Non, je pense que si tu veux, auparavant... Il y a la fête des vignerons à Vevey, c'est tous les 25 ans, moi j'en ai vu. Oui, rien ne prouve qu'un Argentin serait capable de se rappeler la fête des vignerons, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que la connaissance, et peut-être notamment les premiers, évidemment que les premiers Dogons qu'ont interrogé Marcel Griot et Germaine Zidane leur ont raconté le sigui qu'ils avaient vécu, si tu veux, tu vois. Donc ils ont, c'est pour ça qu'ils l'ont retranscrit tellement fidèlement. Mais après, il a fallu que ça soit effectivement ce travail de Marcel Griot que ça atteigne l'Europe occidentale. Et donc, on ne peut pas dire qu'on ait des choses très, très documentées. Alors, on a pratiquement travaillé. La question à tiroir, là, j'ai vu, les relevés, ça a été fait avec une boussole. Bon, ça a une certaine précision. L'ethnologue était admiratif. Mais alors, finalement, c'est à peu près à 15 degrés de latitude sur les cartes. Là, on a vu 14, à peu près. Oui. Donc, est-ce que je dis une bêtise? 15 degrés de latitude, il faut combien de temps de précession pour que, à la précision des mesures, le soleil, lui, passera toujours sur le même rocher, pas de problème. Mais Sirius, elle se balade à la fois en déclinaison et en ascension droite. Donc là, on est à l'équateur, ça tombe pas perpendiculairement, mais presque. Donc, il faut en déclinaison. Ouais, c'est pas très rapide, je l'avais calculé, je ne l'ai plus en tête. Ouais, donc il faudrait, à la précision des mesures, il faudrait remonter vraiment très très loin pour que ça ne colle plus. Oui, c'est ça, c'est d'ailleurs, tu connais le problème avec les datations égyptiennes, c'est un peu la même chose. Ça varie tellement lentement que l'intervalle d'incertitude sur les dates, c'est quand même assez important. Ma question porte sur la liaison entre la tradition orale, donc, et puis le phénomène physique lui-même, qui est soit périodique, soit qui a été unique, qui s'est produit en une seule fois. Donc, en fait, la question porte sur le fait que quelle est la période normale des novées, d'une novée classique, dans un cas comme Sirius A et B, c'est peut-être un cas standard pour lequel on peut associer une période moyenne d'événements dus au transfert de matière, puisque c'est un transfert, explosion, ensuite ça recommence. Donc la tradition orale s'est peut-être implantée par cette périodicité. Donc, en fonction même donc, de la valeur de cette période. Par contre, si on laisse tomber l'aspect période, périodicité, donc nova récurrente, est-ce qu'il n'y a pas eu, en quelque sorte, un événement unique qu'on peut estimer dans le passé et qui pourrait en même temps répondre à la question de la valeur de la tradition orale? Voilà, c'est un peu ça. Oui, non, mais j'ai compris à peu près, oui. Oui, en fait, ceci dit, c'est assez complexe parce qu'une vraie nova, c'est relativement brillant. Imaginons ça à la distance de Sirius. Si c'était une vraie nova, ça aurait considérablement augmenté la luminosité du couple de l'étoile A et B. Et donc, il faut imaginer que ce ne soit pas tout à fait. Alors, donc, peut-être on tombe dans ce qu'on appelle effectivement les novas récurrentes, qui sont de bien moindre amplitude. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de... Il y en a qui ne sont pas périodiques. Hein. C'est un peu aléatoire en fonction du taux de remplissage de l'enveloppe qui va finalement brûler. Et donc, on n'a pas beaucoup de contraintes astronomiques là-dessus. Mais c'est effectivement un phénomène qui peut se produire n'importe quand, qui peut se répéter ou pas se répéter. Dans certains cas, on va attendre des centaines d'années avant que ça se répète, ou même plus des milliers d'années. Dans d'autres cas, ça peut se répéter tous les 10 ans. Enfin, donc, il y a une grande... possibilité. Non, le problème particulier avec cette hypothèse-là, c'est d'arriver à démontrer, en tout cas que maintenant, c'est totalement insuffisant ce qui se passe entre A et B, même avec les mesures qui ont été faites de cette perte de matière, ce serait insuffisant. Donc, il faut quand même remonter dans l'histoire de Sirius A et imaginer qu'éventuellement, il y ait des petites irrégularités dans cette espèce de perte de matière. Est-ce que Sirius B n'a pas été à un certain moment plus lumineux que Sirius A? L'événement a été chauffé au passage.
Oui, c'est. Ouais. Bon, là. Transfert à ce moment unique ouais. qui a fait que les luminosités se sont inversées. Ouais. Et en même temps, les changements. On a quand même beaucoup de contraintes parce que si un événement trop violent et trop important s'était produit, ça veut dire que de la matière se serait répartie autour du système et on devrait notamment en avoir une trace sur la ligne de visée. C'est assez contraignant cet aspect-là. Il faut que l'événement se soit passé en mobilisant une quantité de matière relativement pas trop importante et qu'elle ait réussi à se dissiper dans un temps relativement court. Et donc, la première hypothèse qui a été évoquée au moment de la couleur, qui est encore rediscutée dans certains cas, mais qui s'avère extrêmement difficile à réconcilier avec ce qu'on connaît de l'étoile naine blanche à l'heure actuelle, c'est de façon particulière, la transition de géante rouge à naine blanche extrêmement rapide. Par exemple, pas du tout dans les échelles de temps qu'on calcule habituellement, 20 000 ans, mais en quelques centaines d'années. C'est très compliqué à faire, très très compliqué à faire, et on ne sait pas très très bien le faire en fait à l'heure actuelle. Mais sinon, effectivement, c'est idéal, ça répond à la fois à l'événement particulier et au rougissement qui serait produit, puisque évidemment, avant d'être une naine blanche, cette étoile a été une géante rouge, l'étoile qui a formé Sirius B. Et donc, c'était idéal. C'est très difficile à faire cadrer avec ce qu'on connaît des naines blanches. Et surtout, la naine blanche, à ce moment-là, produite, si elle était produite il y a moins de 2000 ans ou 2000 ans, aurait une température bien plus élevée que 30 000 degrés K. Parce qu'elles mettent du temps à se refroidir, les naines blanches. Et quand elles se sont formées, elles atteignent les 100 000 degrés. Et donc, elle aurait normalement une température bien plus élevée, 60 000 degrés K. Donc, il faudrait encore imaginer qu'elle s'est produite et qu'elle n'a pas la température habituelle d'une naine blanche. Tout ça fait que c'est très compliqué. En fait, c'est pour ça qu'on a laissé un petit peu tomber cette hypothèse. Elle a été rediscutée il y a une dizaine d'années. Pour moi, ça va être légèrement différent. Il y a Gizet, il se réfère sur... les équinoxes d'été et d'hiver. Pour Stonehenge, idem. Pour les équinoxes d'été. En Afrique, en Amérique centrale, c'est pareil. Est-ce que pour le lieu, c'est un quatrième lieu de convergence sur ce système? Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas en détail. C'est-à-dire que c'est évident que ce genre de... ce qu'on appelle les pierres dressées, de plus en plus, ce n'est pas toujours le cas, hein. C'est-à-dire que c'est pas toujours, il n'y a pas toujours une signification astronomique, c'est pour ça que ça a un petit peu brouillé les cartes, parce que quand on veut absolument trouver une signification astronomique, la plupart du temps, on se trompe aussi. Hein. Mais dans beaucoup de cas, tu parles de Stonehenge, on peut parler enfin, de pas mal d'endroits, où c'est vraiment des repères. Ça paraît tout à fait naturel d'avoir des repères assez, et des cailloux assez éloignés les uns des autres, qui servent de ligne de visée quand on veut repérer et se remémorer. Donc c'est la même lignée, hein. C'est pour ça que là, le site qu'on a repéré, c'est du même ordre, enfin moins peut-être complexe que Stonehenge, mais c'est la même nature. Moi, une dernière question. Pas mal de travaux anciens laissent à penser que nos ancêtres avaient une acuité visuelle un peu meilleure que la nôtre actuellement. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a eu à un moment donné un coronographe naturel qui permette de voir ce compagnon B de Sirius? C'est très très difficile à imaginer parce que là je vous ai donné la distance entre les étoiles, elle varie entre 3, on va en parler en seconde d'arc, donc en une fraction de degré, donc 3600e partie, et elle varie entre 3 secondes et 12 secondes d'arc. C'est la séparation maximale, c'est 12 secondes d'arc. Or on pense que l'œil est capable au mieux, et dans des étoiles qui n'ont pas une différence de magnitude aussi importante, de distinguer quelque chose que de l'ordre de la minute, donc de 60 arcs-secondes. Donc on est quand même assez loin. Imaginons même qu'on puisse, d'une certaine façon, avec l'œil, ne pas se laisser éblouir par l'étoile d'à côté, elle est encore trop proche pour que simplement, par l'acuité, on puisse les séparer. Enfin, moi, c'est ce que... D'accord, ben, remercions encore notre conférencier. Merci à vous. Bonsoir.